Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de cours de composition. Cette fois-ci, on va parler du piano, comment est-ce qu'on compose un piano jusqu'à l'enregistrement, de la composition à l'enregistrement. Alors attention, ce n'est pas un cours dédié techniquement au piano. Ceci, c'est le propre de l'expertise pianistique, c'est un cours qui est déjà fait, qui est disponible sur le cours. Ici, on ne va pas se concentrer sur les techniques pianistiques ou ce genre de choses, on va se concentrer juste sur le fait d'avoir une idée et comment du coup la développer pour l'enregistrer et en composer quelque chose. C'est ça qui est enseigné dans la composition, d'accord? Pour tout ce qui est expertise ou composition vraiment propre au piano et aux techniques de piano, ce sera pour, c'est la suite de cours d'expertise pianistique qui est également une suite de cours de composition dédiés aux pianistes ou aux personnes qui veulent devenir pianistes. Ici, par contre, on va se concentrer sur le piano et on ne va pas s'installer dans un premier temps sur le vrai piano, parce que naturellement, quand il y a du vrai piano dans un morceau, je préfère l'enregistrer avec le piano donc hybride que j'ai, qui est un vrai piano avec des vrais marteaux, mais avec un système électronique qui permet en prise jack du coup, de le raccorder à une carte son pour l'enregistrer. Quand enregistrer un piano à queue avec de manière acoustique, ça demande des microphones qui coûtent plus de 1000 euros, ça en demande au moins 3, il faut une acoustique spéciale pour la chambre, bon, c'est un bordel, en appartement, ce n'est pas possible. Donc on va avec les moyens du bord. Du coup, j'ai un piano hybride qui passe par carte son. Mais dans la plupart des morceaux que je vais composer où il y a du piano, ce n'est jamais d'abord au piano réel que j'enregistre et que je compose. Je commence toujours par une maquette, un croquis. Et pour ceci, du coup, c'est pour ça que j'utilise du coup donc le clavier ici, qui est un clavier connecté en MIDI, sur lequel je vais... On va déjà commencer à faire quelques bidouillages sur Studio One, donc le logiciel utilisé. C'est pour ça que je vais du coup mettre un son de piano pour que l'interface MIDI de mon clavier fasse le son de piano. Mais naturellement, dans la musique finale, ce sera un vrai piano qui sera enregistré, etc. Qui sera mis. Alors, on va prendre un piano standard. Le son n'importe pas, étant donné que ce n'est pas avec ça qu'on va finaliser la composition. Ici, on va se servir juste d'une... Voilà, il nous faut un son pour entendre un peu ce qu'on fait. Il nous faut un son de maquette, quoi. Alors, vous entendez pas, c'est normal. Je dois faire quelques réglages assez complexes. Tac, ce n'est pas là, effet. Voilà, tac. Parfait. Alors, donc, ici, on a le piano standard. On peut voir ce que je fais, vous regardez naturellement les touches, ok? Alors, il faut savoir quelque chose de très important. On ne peut pas vous enseigner l'idée. Juste l'idée, ça s'enseigne pas. Une personne ne peut pas vous enseigner la façon de développer, d'avoir des idées. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. Une idée, ça s'émane de vous. Ce qu'on peut faire, c'est vous donner des outils qui vous permettent de développer des idées, de vous questionner, de vous positionner sur l'idée d'en avoir, du coup. Mais on ne peut pas vous dire, tiens, prends ça. C'est impossible. Et on ne peut pas non plus vous apprendre à développer l'idée de faire, ah bah tiens, oh bah super, j'ai une idée. Ça ne s'apprend pas. Quelqu'un qui prétend vous apprendre à avoir de l'inspiration, c'est un escroc, obligatoirement. On ne peut pas apprendre l'inspiration, ça ne s'apprend pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est vous distribuer des outils qui vous permettent de développer votre capacité imaginative pour amener du coup quelque chose. Parce que là, on est face à une interface de piano, on a un clavier, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on n'a pas d'idée. Bon. On vous le rappelle, non je suis tout seul d'ailleurs, je vous le rappelle, il y a 3 façons de composer. La première c'est par inspiration, quasiment divine on va dire, c'est de l'inné malheureusement, enfin Osef en réalité. La deuxième façon c'est par inspiration d'analyse, et la troisième façon c'est uniquement par critère de construction de caractéristiques. C'est compliqué. Ici on va utiliser du coup la troisième formule, c'est-à-dire que vous êtes devant un clavier, vous voulez composer quelque chose au clavier, mais vous ne savez pas quoi faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, certains de mes morceaux ont été composés comme ça. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15-16 ans, j'avais fait mes premières compositions. Certains des morceaux ont été composés comme ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, bon, bah, j'ai une idée, je la développe et puis ça fait un morceau. Mais je me suis déjà posé sur le clavier pour me dire, bon, bah, j'ai envie de faire quelque chose. Je n'ai pas forcément l'inspiration, mais je veux faire quelque chose. Bon. Une de mes compositions qui a été composée comme ça, elle sonne comme ceci, je vous la joue, c'est très rapide, hein, je joue juste le début pour que vous compreniez en fait d'où je suis parti, c'est ceci. Bon, et ensuite la musique commence. Bon. Comment est-ce que je suis arrivé du coup à produire ça sans
avoir l'idée de base, parce que je me suis pas dit dans ma tête, ah putain, ça a l'air cool, et ensuite je rejoue ce que j'ai en tête. Ça, c'est la première technique. Ce n'est pas comme ça que j'ai composé le morceau. Ici, je me suis installé sur le clavier et je me suis dit, bon, on va partir d'accords simples, toujours. On est en ré mineur. On n'est pas forcément en ré mineur, mais on va jouer l'accord de ré mineur. D'accord ? Ensuite, j'ai fait d'autres accords. J'ai gardé du coup ceci, cette position de doigt qui me permet de jouer ré mineur. Je l'ai gardé, j'en ai fait une sorte de moule et je déplace le moule sur le clavier. Ça fait quoi du coup si je le déplace ici ? Ok, 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 ok. Bon, ça sonne pas vraiment. C'est pas moche non plus. Ça sonne pas vraiment, mais c'est pas moche. Et si je déplace le moule, je peux faire du coup cette suite d'accords. Bon, super. Alors je rappelle qu'à ce moment-là, je n'ai pas de pédale. Quand vous allez composer par clavier sans pédale, les choses que vous allez faire sont très différentes de si vous étiez sur un vrai piano avec une pédale. Avec une pédale, vous êtes un petit peu obligé instinctivement de l'utiliser pour lier les notes, ce qui fait que les idées ne seront pas les mêmes. Ça, c'est également très important. Je le notifie maintenant, mais selon la façon, selon les outils que vous avez en main, vous n'allez pas développer les mêmes choses. C'est normal. Un mec qui a un marteau et un clou, il ne va pas faire les mêmes choses que celui qui a un clou et une perceuse. Le truc n'est pas le même parce que l'outil change. Là, je n'ai pas de pédale, donc ma façon de théoriser et de développer une idée ne sera pas la même. Donc ça, c'est également très important à prendre en compte. Si vous aviez un clavier en fait, avec uniquement deux octaves, vous allez développer des idées qui ne sont pas les mêmes que si vous aviez 88 touches. C'est normal. Donc ici, on a une suite d'accords. Bon, super. Comment est-ce que je peux du coup créer quelque chose d'intéressant là-dessus ? Bon. Je suis parti d'un principe tout simple, la dernière note, donc le ré à l'octave, je vais pas le jouer à l'octave, mais à la neuvième, donc à la seconde, c'est-à-dire la deuxième note. Donc si je suis en ré, la deuxième note c'est mi, ré, mi. Donc je joue ceci, donc des accords de neuvième, pour ceux qui ont un petit peu les cours de solfège. Et je fais le même moule avec une neuvième constante. Sauf sur le dernier, parce que la neuvième ici, du coup, ce ferait ça. Ça sonnerait pas. Même si je mettais ça en fa dièse, ça sonnerait pas non plus. Donc, l'idée est très simple. On a un accord standard. On passe tout en neuvième. Sauf le dernier. Ce qui me donne, du coup, ceci. Bon, bah, ça, c'est un petit peu, ça, on commence à avoir un petit peu d'identité. On commence déjà à avoir un petit peu d'identité. Bon. À partir de là, du coup, je me dis, bon, je vais pas le jouer en accord plaqué, quoi, ça fait vraiment, ça fait lourd, ça fait débutant. Je vais le jouer plutôt en arpège. Donc oui, en arpège, du coup, oui. Donc, je vais le jouer plutôt en arpège, du coup, au lieu de le jouer en accord plaqué. Mais au lieu de faire ça, l'arpège, je vais le faire centré au mid. On visualise l'idée de l'arpège. L'arpège, c'est quelque chose qui normalement monte ou descend. Bah pas cette fois-ci. Cette fois-ci, j'ai envie de centraliser l'arpège sur le mid, ce qui fait que les deux extrêmes vont partir et arriver sur le mid. Ça ferait du coup ça. L'inverse, centralisation sur décentralisation, par le département de France, bien sûr, pas du tout. Ça donne ceci. Centralisation, décentralisation. Ah, intéressant du coup. Et il nous reste une possibilité. Il nous reste une possibilité, tout n'a pas encore été vu. Parce que là, on passe des extrêmes, on arrive au centre. Ensuite, on part du centre, on arrive aux extrêmes. Mais entre le centre et l'extrême, il y a quelque chose, il y a une nuance. Extrême, centralisation, nuance. L'entre-deux, il est là. Alors du coup, ça fait quoi si maintenant je fais centre, extrême, nuance? Ou extrême, centre, nuance. Centre, extrême, nuance. Ou l'inverse, extrême, centre, nuance. Eh bien, c'est du coup celui-là que j'ai pris. Extrême, centre, nuance. Avec la neuvième. Et je fais ça sur les accords que j'avais décidé au préalable d'utiliser. Ok ? Donc le pattern est le suivant. Extrême, centre, nuance. Pas mal. On va améliorer la fin. On va refaire un passage sur la tonique très rapide pour revenir ensuite sur le mi, ce qui nous ferait du coup ceci. La fin du coup passe de ça à ça. Un petit peu plus joli, pourquoi pas. Jouer plus rapidement, ça donne ça.
en mettant l'intention désormais de piquer les notes, l'idée de sauter les notes, d'appuyer très brièvement dessus, ça donne ça. Ça donne un effet un peu comique à la situation. Je peux décider de rester avec ce petit doigt pour maintenir à chaque fois, du coup, la note fondamentale sur laquelle je suis. Je suis pas obligé d'appuyer à ce point-là pour la faire sortir, là, c'était pour que vous puissiez vraiment l'avoir à l'oreille. Je peux décider maintenant de marquer le petit doigt de la main droite pour insister sur cette neuvième qui est en décalage avec le reste. Tout en maintenant l'idée que le petit doigt de la main gauche, lui, marque la tonique et reste longtemps dessus. Je peux maintenant volontairement éclipser certaines notes au milieu, celle-là, et retirer un petit peu de rigueur dans ma technique pour potentiellement faire des fausses notes qui pourraient sonner. Vous voyez, les petites notes comme ça. Ce genre de fautes qui peuvent sonner, qui peuvent peut-être apporter quelque chose. L'erreur, c'est quelque chose qui vous ouvre des possibilités infinies. Donc c'est quelque chose qui... Il faut mettre ça dans vos jeux. Hein. Baisser votre rigueur volontairement pour permettre à l'erreur de s'exprimer, c'est quelque chose qui est très important. Qu'on n'enseigne pas d'ailleurs au conservatoire, on fait tout l'inverse. Bon, ici, mes erreurs, mes fausses notes ne me donnent pas d'inspiration à l'idée de les maintenir pour en faire des modulations ou quelque chose d'autre, donc on va pas les garder. On va juste se concentrer là-dessus, du coup. Ça a l'air un petit peu étrange, on n'a pas la sensation de terminer sur une fin, donc ce que je propose, c'est de le répéter une deuxième fois et de continuer de descendre. Et à partir d'ici, je vais jouer ça une deuxième fois. Et le principe de la main droite va changer pour démultiplier les notes. Donc au lieu de faire ça, je vais faire ça. J'aurais pu faire ça. Ou ça. Ou ça. Les possibilités sont quasiment infinies. À chaque fois que vous rajoutez une note, vous rajoutez une possibilité de plus. Ce que j'ai décidé de faire, c'est ceci. Tout simplement. Donc ça fait ça. Et le tout du coup joué ensemble donne ceci. Et à ce moment-là, du coup, j'ai un principe, j'ai une idée, et je peux du coup la développer. Donc je pourrais par exemple moduler à cet endroit précis, en la mineur. Pourquoi en la? Parce que je termine sur un mi mineur. En partant du principe que si mi mineur est une dominante, alors nous sommes en la mineur. Et je pourrais du coup maintenir ce rythme. Et continuer à descendre en partant du coup de ma tonique, donc la mineur. En faisant un autre thème. Ça peut, voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé et qui peut parfaitement sonner. Bon. Je vous montre du coup maintenant la musique originale, parce que cette musique existe, bien que comme c'est une ancienne compo, bon, elle n'est pas vraiment en public, sur YouTube, machin, c'est quelque chose que je garde plutôt de mon côté. Je vais vous montrer du coup la composition, elle a été réalisée, il me semble, à mes 17 ou 18 ans, même si la date du upload de YouTube a été beaucoup plus tard, parce que les musiques, les compositions, je les ai upload bien après, à chaque fois. Bien sûr, ce sont des autres sons que le piano, hein. Après, ça part sur complètement autre chose. Le principe de cette musique, c'était que j'avais plein d'idées en tête. En fait, je savais pas comment faire une musique avec chaque idée. Du coup, j'ai tout mis à la suite. Donc, c'est une musique qui part très très vite dans le hors-sujet. Mais là, vous avez un exemple, du coup, de précisément comment est-ce que cette composition, qui date, hein, les sons sont très très cheap, j'avais pas d'ordinateur d'ailleurs à l'époque, donc je faisais ça sur l'ancienne table d'enregistrement. Ça fait partie des musiques que j'ai composées sur la table d'enregistrement avec uniquement un synthé. Mais vous avez un exemple, du coup, de comment est-ce que je suis parti de rien
pour le coup, vraiment, et juste, bon, bah, ça, ok, ouais, pas mal. Allez, on descend. Etc. Et puis j'arrive, du coup, à en faire quelque chose en prenant des sons bien spécifiques, etc. Bon. Ça, c'était, du coup, un exemple pour vous montrer que... on peut vraiment partir de rien du tout, ne pas avoir d'idée en tête, et en développer une sur le tas, justement. D'accord ? On peut composer de cette manière-là. Bon. C'était du coup, cette petite intro servait juste en fait à préparer ce qu'on va faire désormais, donc le vrai terrain, sur la suite, où là, du coup, on va vraiment s'attaquer du coup à la composition du piano. Donc, une fois que j'ai cette idée, je l'enregistre, qu'est-ce que je fais par-dessus, etc. Bon.